C'est une princesse héritière de son royaume, mais qui ne se sent pas encore prête à prendre les responsabilités. Donc, elle décide de fuir son royaume pour partir à la découverte du monde. Elle emporte avec elle son arc qui a été offert par son frère. Donc à l'origine, c'est un dessin qu'elle a réalisé en 2018. Et un jour, elle est tombée sur un tissu qui lui rappelait énormément sa création. Et elle s'est dit pourquoi pas ne pas donner vie à son personnage et à cette tenue qui est absolument magnifique. De l'univers Five Nights at Freddy's, Snap, pour ceux qui connaissent. C'est lui qui sert de guide et de tutoriel tout au long du jeu. Dans l'univers du jeu, c'est un employé qui a travaillé à la même place que le gardien de nuit, du coup que vous interprétez quand vous jouez à différents jeux de la franchise, notamment les premiers jeux. Il n'a pas d'apparence officielle, mais les artworks fan-made le représentent souvent avec un univers dans les tons violets et un téléphone vintage rouge à la place de la tête. Je vous présente Alayen. C'est une ancienne Jedi dévouée à l'ordre. Elle subit les conséquences de la guerre des clones et se laisse tenter par le côté obscur. C'est un personnage créé en 2018 et son design a été amélioré 3 fois. C'est son envie d'inventer un personnage dans l'univers de Star Wars et sa version Jedi. Et ça lui a permis d'inventer une histoire et une backstory. Bravo. Aneko interprète le personnage de Princesse Mononoke. Là, c'est un personnage qui existe, mais c'est complètement recréé par elle. Donc, avant que le dieu Ser ne meure, il décida de choisir son successeur, la princesse Mononoke, qui reçut la bénédiction de ce dernier. Elle protège maintenant la forêt sacrée. Ce caractère, elle aime beaucoup son design, et elle l'a inventé pour avoir un côté un peu plus guerrier, un peu plus animal. Ça marche ? C'est plus animal ? Très bien. J'ai l'impression de me retrouver toujours dans le même univers de Five Nights at Freddy's. Elle nous interprète Missen. Missen est une version alternative de Sun Drop de FNAF SB. Tout comme celui-ci, elle s'occupe des enfants déposés au daycare avec joie et attention. Cependant, elle commencera à angoisser dès que les enfants mettront le désordre et paniquera si les lumières ont le malheur de s'éteindre. Dame Wissa apprécie énormément le personnage de Sun Drop et voulait créer sa propre version de Sun. Enfin rentrée à la maison, même si ce n'était pas de tout repos. Encore un de ses corsaires envoyés sous mer. J'ai un bon pressentiment pour notre prochaine cible. Cette tête d'ivrogne, bien barbue. Oyez, mon saillon, il n'y aura pas de quartier. Ce sont que des marins d'eau douce. Ensemble, nous pouvons le faire. En tant que capitaine, je serai là pour vous guider. Et entre nous, c'est moi la plus rapide. Alors, hissez les voiles et en avant, allons chercher notre fortune. Yeah.
dans la faille de l'invocateur. Tu as vu mon Weston comme il est beau. Mais pourquoi donc dépenser de l'argent dans de l'esthétique quand l'original est idéal? Oh, tiens-toi prête. Les sbires sont apparus. Oh oui, allons récupérer un max de kin sur ces faibles mignons. De la nouvelle génération. J'ai l'air d'une adolescente banale, mais je cache un grand secret. Ma mère est en réalité l'ancienne leader du groupe original de Pigamonti, Aihoshime. Mais alors que mon frère Aqua et moi étions petits, elle nous a été retirée d'une manière atroce et son ancienne manager nous a adoptés. Je veux tant me ressembler. Je suis Ai, leader des Pigamonti. J'ai dû prendre quelques mois de repos car je suis devenue maman. Je n'ai rien dit à mes fans. Ma admirateur a pris et a décidé de me retirer la vie. Depuis, je veille sur mes enfants et les guide. Regardez Ruby qui s'entraîne. J'étais sûre qu'elle ferait une super idole. Je veux la rejoindre et faisons le plus beau des duos. I know he's scared of me.
Tout le week-end là-bas pour lesquels vous pouviez voter pour offrir un prix, mais on avait aussi un jury qui était composé de deux personnes, deux cosplayeuses qui sont spécialisées dans la stylisation de perruques qui étaient là pour élire leur meilleure perruque et donc je vais les faire monter sur scène. J'invite Darwissa à venir, viens. On l'applaudit. Et c'est mon petit duo. Princesse de l'enfer de l'espace. Ça dévie les lois de la gravité. Elle est pas belle. Ok, alors, pour le concours perruque, je vais commencer par un prix, celui que vous avez décerné. Donc le prix public. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Qui a gagné? Ok, alors, vous, si vous étiez là hier, vous savez comment ça se passe? J'ai pas les bonnes notes. C'est la fin du week-end là, c'est compliqué. Hein. Ouais. Nan, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ok, c'est bon, je l'ai. On commence donc pour le prix coup de cœur du public en perruque. Oh. Ellie Linard avec sa perruque de Giorno. Giorno, je sais pas comment ça se dit. Alors je vous rassure, ils ont rien dans les mains, mais en vrai, ils ont des cadeaux. Hein. On n'est pas méchants à ce point-là. Ok. Alors, pour... Tu restes là, tu restes là. Ah bah oui.
Le jury a voulu décerner un prix coup de cœur pour une des perruques qui était présente, parce qu'elles étaient toutes belles. Et je crois que ça a été difficile de départager. Vraiment, elles ont galéré, les points étaient très très proches. Alors, Darwissa va nous annoncer le deuxième prix. Alors, prix coup de cœur, pardon. Alors, pour notre prix coup de cœur, on a décidé de décerner, ça a été un choix très difficile. Mathilda. Elle est morte, hein, je vous préviens, elle doit être contente mais elle est fatiguée. Ça va aller? Félicitations! Bravo! Alors, pour le premier prix, oui, oui, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Pour le premier prix, donc c'est Mal qui va nous l'annoncer. Est-ce que vous êtes chaud pour l'entendre? Ouais. Est-ce que vous avez une idée? Ah oui, mais oui, pardon, il y a un prix espoir avant, j'ai oublié. Donc, pour le prix espoir d'abord, un petit prix espoir pour récompenser quelqu'un. Donc, bonjour, elle. Pour le prix espoir, de l'offrir à Sarah Italina pour Morgana. Bon, du coup, cette fois, c'est le premier prix. Ok. Est-ce que vous êtes toujours chaud pour le premier prix, perruque? Ok. Alors, un énorme. Sans aucun doute, Vegeta par 18 Fly. On l'applaudit s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes chaud pour savoir les prix du concours? Chaud, mais on va essayer de les acclamer le plus qu'on peut chacun d'entre eux, parce que vraiment c'est pas facile de monter sur scène. Alors, on va commencer par, oui, le prix de costume. Donc c'était le prix de la catégorie création originale. Donc pour ceux qui ne savent pas, si jamais il y en a, ils ont inventé leur personnage ou bien ils ont recréé, réinterprété un personnage existant. Donc ils ont dû carrément inventer une histoire, expliquer cette histoire au jury, écrire carrément tout un petit scénario, tout un petit monde, tout un petit univers. Et ils ont également créé leur costume. Donc vraiment tout a été fait de A à Z. Et donc pour annoncer ce prix, je vais passer le micro à Libé. Attends, ah, oh, bah c'est bien, c'est bien. Eh ben du coup, je t'en prie, vas-y. On y va, c'est parti. Le premier prix costume a été attribué à Aneko en Princesse Mononoke. Bravo, elle. Ok, alors, pour la catégorie prestation, donc là il n'était noté que ce qu'ils ont fait sur scène, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir acheté leur costume. Le jury a décidé d'accorder un petit prix particulier, un prix espoir, et donc je laisse le micro à Scriptia pour qu'elle l'annonce, pour le prix espoir. Et du coup pour le prix espoir, nous avons... C'est notre but de prix espoir, on récompense les nouveaux qui font quelque chose qui a vraiment du potentiel.
je te laisse l'annoncer. Deuxième prix prestation associée à Migo et Elwi. Vous êtes prêts? Non, ça n'a pas l'air. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Ah! Et du coup, le premier prix prestation est attribué à... Et je voudrais qu'on remercie aussi très très fort nos présentateurs parce qu'ils auraient beaucoup rigolé aussi.